Nyao, wakalomeyo, yeah, nyao, wakalomeyo, yeah. Dere kugere alele, yusre ayayo, wakalomeyo, yeah. Oh la la, allez vous faire voir ailleurs. On commence la vidéo, les amis. Yo les gars, c'est comment? On dit quoi? Voilà, beaucoup attendent ma réaction sur le sujet. Concert de Didier Raffa, stade d'Angers. Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et je profite aussi en même temps dans cette même vidéo, vous parler du concert monstrueux des garagistes. Je dis bien monstrueux, c'était énorme, c'était époustouflant. J'ai pas envie de dire c'était jamais vu, mais vraiment c'était énorme. Costaud de chez costaud. Je craignais un peu parce que ça fait quand même un bon bout de temps que ces derniers-là, franchement, je ne dirais pas qu'ils ne sont plus à la mode, mais ne cartonnent plus comme avant. Donc je pensais que ça allait être un peu chaud. Mais j'ai compris par ce conseil-là qu'en Zouglou, ça réussit toujours. Jusqu'à ce qu'on aimerait bien voir notre coupé décalé. Donc restez branchés, voilà. Pour vous faire comprendre un peu pourquoi je vous dis que le conseil des garages était monstrueux. Je vais vous montrer quelques images de les concerts. Et puis après, on va faire le décryptage du concert de Didier Raffat au stade d'Angers. On se prend juste après le générique, les amis. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base. Je procède à des firmes. Voilà, bon retour, les gars. Appréciez un peu le concert des garagistes. Appréciez un peu quelques images et puis après, on tombe. Le sujet qui vous intéresse, je vous connais, oh, que ce soit fan de Beno, fan de Bordeaux, fan de Didier Arafat, fan du coupé décalé, vous voulez savoir ce qui s'est passé au conseil de Didier Arafat. Voilà, le titre en dit long. Hein. Appréciez un peu les garagistes. Thank you.
Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez bien vu les images. Les images parlent d'elles-mêmes. C'était énorme. Franchement, le Zouglou. Le coupé décalé à la mode, hein. Mais le Zouglou est trop serein. La sérénité du Zouglou m'épate, ça me dépasse. Sommet, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Regardez le monde qu'il y avait. Regardez les personnalités qu'il y avait. Aux 25 ans de carrière du groupe Les Garagistes. Au moins, vous savez que j'ai fait beaucoup la promotion de ce concert-là. Hein. J'avais promis d'y être, mais bon, coupé décalé oblige, parce que c'est le mouvement que je soutiens le plus. Voilà, je soutiens la musique ivoirienne. Mais avec tout ce qui se passait autour du concert de DJ Arafat, il fallait que je sois présent à son concert. Sinon, avant qu'on parle du concert de DJ Arafat, j'aimerais bien aussi que cela donne conseil aux acteurs du coupé décalé, que ce soit les fans, que ce soit les artistes, que ce soit les producteurs, que ce soit, en tout cas, tous ceux qui ont la même mise dans le coupé décalé. Franchement, ce conseil-là doit vous donner conseil. Des artistes qui cartonnent plus comme avant. On va dire que ce sont des vétérans. Voilà, mon avis, des vétérans, faut faire des conseils ici où ça n'a pas réussi. Garagis a réussi pleinement son conseil. Ils ont bousillé l'espace Oiseau Livre du Palais de la Culture. Parce que, effectivement, je savais que la 4000 places, la 4000 places n'allait pas leur suffire. En tout cas, félicitations au groupe Les Garagistes. Grande, grande félicitations au groupe Les Garagistes. Voilà. En tout cas, chers acteurs du coupé décalé, prenez conseil. Voilà. On a besoin de voir ça aussi dans le coupé décalé. C'est-à-dire, quel que soit Alpha, quel que soit la prod de l'artiste, quand l'artiste passe un concert ou bien fait un concert, ça doit être B, comme dans le Zouglou. C'est très important. Voilà. On va commencer maintenant cette histoire du concert de DJ Arafat. À tout à l'heure. Bon, les gars, on va pas trop parler. Hein. On va pas trop parler. Il va parler rapidement. Vous voyez, si vous vous rappelez bien, le premier direct sur l'événement, c'est-à-dire hier, venait de l'artiste, directement de sa page Facebook. On a bien constaté, aux environs de 13 h passées, que le stade était effectivement très vide. Je me suis inquiété. Quand j'imagine que l'artiste même avait donné rendez-vous à sa Chine et à tous les fans du coupé décalé à partir de 14 h. Et jusqu'à 13 h passées, 13 h 30 par là, le stade était toujours vide. Je m'inquiétais, honnêtement. Mais de la même manière que j'avais mes tickets, et je me suis dit que. De la même manière que j'ai mes tickets là, c'est comme ça, il y a beaucoup qui ont les tickets à la maison, mais qui ne sont pas encore sur les lieux. Donc peut-être qu'on peut espérer que tout se passe bien. Et j'avais un gars qui n'était pas trop loin du site où devait se dérouler le concert. Donc, il me fait le point, je lui dis, ah mon gars, pardon, on va voir un peu l'évolution concernant le concert de DJ Arafat là. Il m'envoie un texto, il me dit, ah c'est mou, hein, les gens viennent. Là, on est 15 h maintenant. Là, je dis, bon, ça ne sent pas bon là. Apparemment, les conspirateurs auront raison. Ils vont se moquer encore de ce dernier-là. Mais comme je savais que j'étais DJ Arafat et je savais un peu l'engouement que ses fans ont pour lui, j'espérais toujours. Parce que moi-même qui parlais, qui avait mes tickets, je n'étais pas encore sur les lieux. Donc, vous savez que s'il y a 100, non, 99 999 personnes que je ne suis pas là-bas, ça ne fait pas 100 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'espérais. Et vers 17 h, mon gars m'avait texté, il me dit, ah, il y a la magie qui a été opérée ici, hein, que les morts sont en train d'entrer en taille à rendre dehors tout ça. Il dit, ah, ok, donc t'es m'a prêté. Ciao, ciao, monsieur, prêté rapidement. Et même si les lieux, effectivement, les gens ont commencé à rentrer, le stade n'était pas tellement, tellement plein. Mais le stade a commencé à faire son guichet à partir de 19 h, pour dire vrai. Parce que l'artiste même est monté à partir de 22 h, je crois, 22 h 48. Et ça a commencé à se guicher même à partir de 19 h. Voilà, si vous voyez bien dans le résumé de ma vidéo du concert, il y avait pas la lumière, c'est-à-dire le coin était déjà sombre, il était déjà 19 h. Et sans vous mentir, sans vous mentir, c'est parce que la sélection, c'est-à-dire même tu avais ton ticket, mais pour rentrer, c'était compliqué. Voilà, il y avait des gens dehors. Il y avait des gens dehors. Donc ceux qui parlent de poteau là, vraiment, vous pouvez détester la tisser. Mais vous savez au fond de vous que l'artiste n'a pas tapé poteau. Peut-être qu'on dira qu'il n'a pas rempli comme à ses habitudes, mais son concert n'était pas vide. Il y avait l'homme. Voilà, les chaises, les maquis qu'ils avaient créées, toutes les chaises étaient occupées. Il y a des personnes qui étaient arrêtées. Vous voyez même les images. Vous parlez de poteau. Vous voulez forcément vous réjouir, vous consoler en disant que le mec a tapé poteau. Je ne mens pas. Il a eu vraiment, vraiment chaud. Parce que moi, je pensais à un moment, jusqu'à 17 h, qu'il allait taper poteau. Mais j'ai oublié que c'est DJ Arafat
et aussi il a une Chine derrière lui. Ce qui me plaît, j'ai rencontré beaucoup de fans là-bas, j'ai rencontré beaucoup de fans de Bordeaux, des amis en commun. J'ai compris que il y a les réseaux sociaux et puis il y a la réalité. Voilà. C'est comme ça qu'on devrait se comporter en fait. Vous voyez un peu, il y a les fans de Soumil, il y a les fans de Yole et Siro, il y a les fans de Magic Diesel, il y a les fans de Révolution, il y a les fans de Magic System, il y a les fans des patrons. Mais quand un artiste Zouglou fait un concert, à l'exemple du concert des garagistes, il a 25 ans, vous voyez un peu, ils sont tous fans du coupé et du coupé. Ils sont tous fans du Zouglou, ils ont juste une préférence parmi tous ces artistes Zouglou-là. C'est ce que j'essaie d'inculquer un peu dans notre coupé décalé ici. Et puis les gens, quand tu parles d'un artiste, ça les fait mal, ils te voient en sorcier. Pas bah, t'es chié même d'ailleurs, voilà, parce que vous êtes des sorciers, vous ne comprenez rien, vous n'avez pas de cervelle peut-être, voilà, vous êtes dépourvu de votre cervelle, ça j'ai compris ça il y a longtemps, c'est pourquoi je m'occupe même plus de vous, voilà, donc Dieu merci, tout s'est bien passé, la Chine a répondu présent au concert de l'artiste, donc faut respecter DJ Arafat. Le poteau que vous souhaitez qu'il fasse là, il a évité ça, il a dribblé bien le poteau même, voilà, donc continuez de bavarder, le mec au moins il a réussi son concert. Prochaine étape, je crois, c'est à Bobo. Donc, tous les fans d'Abobo, soyez prêts, restez connectés. Calabo bénisse, c'était un peu ça ce qui s'est passé au conseil de Jarafat. Voilà, on s'est très très bien amusé. Ciao, ciao, big up à tous.